J'ai presque plus de batterie déjà. Miam. Coucou YouTube. Ça date, ça me fait bizarre. Mais je suis tellement excitée en même temps. J'ai décidé de reprendre les petites vidéos YouTube, mais d'une manière totalement chill, sans pression. Mon cardio n'a pas évolué depuis. Je compte faire des petits vlogs par-ci, par-là. Il n'y avait pas de raison à mon départ. Pourquoi je suis essoufflée comme ça? C'est juste que j'aimais plus trop... Du moins, je savais plus trop quoi faire. Mais je serais contente du coup de revenir. J'espère que vous aussi. Il y a mon train qui vient d'arriver. Attendez, je continue de parler après. On s'est quitté, vous et moi, à une ère où je disais que je ne porterai jamais de ballerine. C'est très confortable pour ma défense. Donc là, je rejoins Lila. J'ai fait un très gros tri dans ma chambre. J'avais plein de trucs que je ne voulais plus. Là, il y a un tapis, des affiches. Une perruque et ensuite j'ai un event New Balance. Attends, mais je me mets à côté de toi, devant toi, je me mets où? Panique à bord. Ouais, tu veux que je fasse quoi? Tu vas tout seul. Rien, tu veux. Ah, d'accord. C'était pour toi que c'était avec toi. Par contre, il pleut là. Oui, ça va pas le faire. Ah, ça, c'est la perruque que je t'ai ramenée. Ah, oui, en plus, je voulais t'envoyer un message pour te rappeler. Oui. Oh, c'est bizarre de te voir comme ça. Oui, ah, tu m'as montré ça. Non, ça je te l'ai pas montré, mais je me suis dit que ça allait bien. Ouais, vert, oui. Oh, c'est quoi ça? Un plat comme ça, tu vois, j'ai trouvé. Ah, ouais, on va dire poche. Ouais, exactement. Miam. Bon, du coup, je fais un gâteau au yaourt. Lila est partie chercher la levure, on en avait plus. C'est ma mission actuellement de commencer la recette. Il faut 3 feuilles de farine. J'attends plus que la levure et ce sera bon pour mettre au four. Je vous ai pas dit, mais mon petit pull, c'est un pull de la marque Valentine Whitmer. Je crois que ça se dit comme ça. I don't know. C'est une marque belge et c'est trop beau. J'adore. Très confort. La matière est hyper extensible. J'ai presque plus de batterie déjà. Je suis très bien organisée pour reprendre mes vidéos YouTube. La levure, la levure. Bonjour à tous, aujourd'hui journée très particulière car je vais chiner, trop contente, mon écran est dégueulasse j'ai l'impression. Je suis à la queue Les Yvelines pour l'association solidaire Planète Cœur qui fait des ventes 2 fois dans l'année il me semble. Et à chaque fois je trouve des pépites, donc trop bien, là il est tôt le matin, il est 8h je crois, 9h. Et je suis avec Esther qui fait déjà la queue donc je vais la rejoindre, elle est beaucoup trop déter, c'est parti. Et oui je suis habillée comme hier, me jugez pas. Là on fait la queue, il y a du vent, mais je suis en mode chinage, il y a du monde, c'est un peu la guerre. Je vais aller au côté mercerie, voir ce qu'il y a un peu. J'ai que un pantalon dans mon panier et je suis pas convaincue en plus. Donc à voir. Vas-y, vas-y. Avant même d'avoir acheté tes trouvailles. Si j'y descends, moi. Ouais, ça j'aime bien, c'est grave mimi. Oui, ça c'est grave fou, j'adore. Ah ouais, je l'ai vue celle-ci, elle est cool. Ah, trop beau, j'adore. Me revoilà avec mes petits achats de chez Planète Cœur du coup. Comme vous l'avez vu dans les images, j'étais un peu en mode je ne trouve rien. Mais au final, j'ai trouvé mon bonheur chez les hommes. En ce moment, j'aime beaucoup m'habiller sportwear, tout ça. Un peu oversize, donc finalement chez les hommes, bah, j'ai trouvé un peu ce que je kiffais. Petit haul, j'ai trouvé une chemise, un basique. J'ai vu un mec qui en avait une similaire dans les mains. Je préférais la sienne, j'attendais qu'il la repose. Il ne l'a pas reposée. Donc j'ai trouvé celle-ci. J'en voulais vraiment une à rayures comme ça. C'est simple, hein. C'est vraiment une chemise basique. C'est un peu en mode pyjama porté, j'aime bien. Monte vite fait, mais ça donne ça.
Bon, dans l'idée, vous voyez, c'est une chemise quoi. Ensuite, j'ai trouvé un petit polo à manches longues. J'en ai un que j'aime beaucoup, qu'une marque m'a offert. Du coup, j'ai vu celui-ci qui me plaît également pas mal, à grosse rayure. J'aime pas les marinières, genre à fine rayure, je sais pas, j'aime pas. Mais quand c'est des grosses rayures comme ça, j'aime bien. Et là, c'est la marque Teddy Smith. J'ai pris une pièce, je suis pas trop sûre du délire, mais j'ai pris au cas où en me disant que why not. C'est un top très élastique Adidas de sport, mais j'aime bien le délire du zip là, qu'on peut soit mettre en décolleté, soit remonter. Mais j'ai un problème avec cette couleur là, du beige, tout ça. J'ai l'impression que ça me ternit. Je suis pas sûre que ça m'aille ça. J'ai trouvé, ah ça je l'adore, elle est incroyable. J'ai trouvé une petite pépite. C'est pour la petite histoire, c'est un mec qui était à côté de moi qui l'avait dans les mains. Je voyais qu'il la regardait, il savait pas s'il la reposait ou pas. Et je vois qu'il repose cette veste incroyable devant mes yeux ébahis. J'ai fait ok, je run et je la prends. C'est une veste Adidas, trop dans mon mood actuel. Et elle est blanche et rouge avec écrit Tokyo dans le dos. Et à l'avant, il y a écrit I love Tokyo. Enfin, I Adidas Tokyo. Et elle est vraiment trop belle. Par contre, c'est une taille 2XL, donc elle est vraiment big. Mais j'aime bien. Toujours dans mon délire de veste oversize. Ah, j'ai coincé mes cheveux. En fait, moi, les vestes Adidas, quand je les porte, je les retrousse comme ça sur le bas. Et ça me donne ceci. Bon, les manches sont longues, comme vous pouvez le voir, mais je sais pas, moi ça me dérange pas. Désolée, j'arrête pas de gigoter. Ok, dernier achat, un pantalon. Toutes les basiques. Un peu en mode costume, il est à rayures. Je sais pas si on voit. En tout, j'en ai eu pour 18 euros. Je suis trop refaite, parce que rien que pour cette veste là, j'adore. Sinon, là, il faut que je prépare des colis Vinted et que j'aille chercher un colis. J'ai un petit colis qui m'attend, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais j'ai reçu une notif. Comme quoi c'était arrivé, donc je vais aller chercher ça. Ce soir on fait une soirée avec mes potes sur le thème d'Halloween, parce que c'est Halloween dans 3 jours. Et 3 jours. Donc on fait une petite soirée Halloween, mais on va manger raclette. Donc c'est soirée raclette slash Halloween. Sinon pour mon petit comeback sur YouTube, faut savoir que j'ai tenté de filmer mes vacances d'été, mais j'ai filmé que 2 jours sur 7. Donc ça faisait une vidéo un peu courte, mais petit extrait de mes vacances d'été. Coucou. Et Pauline, tu es en vacances où? C'est quoi cette tapisserie? Je suis avec des amis dans un château. Bon, je vais pas vous montrer la chambre parce que c'est le bazar. Mais je peux vous montrer des petits coins du château qui sont plutôt stylés. Genre devant moi là, c'est la sortie de la chambre. Regardez-moi ce décor digne d'un film. Je vous avoue, j'ose pas trop m'aventurer seule là parce que je suis seule dans le château. Ce matin, nous sommes allés à un Emmaüs qui est incroyable, qui est juste à côté. C'est une sorte d'Emmaüs village. J'avais jamais vu ça, c'est hyper grand. On va faire quoi, Pauline, aujourd'hui? Ramasser des pommes et faire un crumble. Merci, très cher. Ah ouais, ça se met bien ici. Ouais, là, c'est stylé. Sympa. Très sympa. J'espère que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée. Et c'est parti, on va faire les colis Vinted. Le petit colis Vinted, yeah. On va ouvrir ça. Anki, tous ensemble. Dedans, j'ai commandé une jupe. Je vais me tuer. C'est vrai, j'ai acheté une ceinture aussi dedans, je viens de l'avoir. Et lunettes. Mes lunettes, c'est un peu une expérimentation. Un test. La ceinture, elle est incroyable. Oh my god. Regardez-moi cette ceinture. Oh, je voulais trop une grosse ceinture avec des œillets comme ça. Marron. En fait, c'était ce que je voulais, quoi. Si j'avais pu la créer, c'était ça. La jupe, c'est une mini jupe noire, mais elle a des espèces de fronces comme ça. Why not, hein? Et les lunettes. Vous savez, c'est la mode des petites lunettes un peu de secrétaire, tout ça. Celles-ci, ce sont des Versace. Pourquoi sur les meufs, c'est mimi sexy? Moi, c'est juste... Je ressemble à une meuf du CDI. Si je me plaque les cheveux, peut-être. Écoutez, j'aurais tenté, hein. Voici mon petit look pour la soirée d'Halloween. Je suis partie sur un truc assez dark, même au niveau des yeux. Genre je me maquille jamais différemment de ce que je fais tous les jours.
Donc j'espère que ça va. Des petites perles, dentelles et voilà. Let's go. Je veux bien du vin blanc, please. Ça fait pas trop du temps. Oh, non. Ça fait pas du temps du tout. T'en penses quoi, Brian, on voit mon avis? Ça va. Il m'a dit, on dirait une meuf qui fait de la salsa. Miam. Ah, toi aussi, t'as mis sur la tête. J'ai déjà raconté. On était genre dans le jardin d'un pote. On jouait au volley-ball. Et genre, tu sais, au volley-ball, tu fous la balle. Je sais pas, des fois, elle part dans les buissons et tout. Ouais. On va la chercher normal. Et la deuxième fois, elle part dans les buissons. Du coup, on va la chercher. Tous les trois. Et là, on entend une voix, genre, on va être quoi ici? Oh putain. Ça, c'est un voisin gentil. Et genre, après, il a demandé au voisin, genre, et. Je sais pas si vous connaissez Michel Fournier. Ah, tu vois en série? Si. Okay. Parce que là, je l'ai vu quand j'étais petit 5 ou 6 fois. Ah, quoi? Oh, dans quel cadre? Parce qu'il habite à côté. J'habite à côté. Et en fait, sa maison, son énorme maison, là où il s'était passé tout ce qui s'était passé, et c'était à côté de la maison où on joue. On l'a vu se faire embarquer du coup par les CRS. On était un mois après. Nous, on continuait à jouer autour parce qu'il y a un grand champ derrière sa maison. On entend des cris. Mais genre des cris vraiment stridents de ouf. On était 6 à jouer. Il y a deux qui vont là-bas. Ouais, ils se rapprochent devant et ils reviennent en courant. Mais en courant de ouf, ils sont tout blancs. Il y a des trucs bizarres, il y a plein de trucs à l'intérieur. Du coup, on y va. Moi j'ai entendu une fille hurler à la main. Il n'y a pas un moment où il est retourné chez lui où ça fait.